Bonjour les secondes, on continue le chapitre statistique sur la médiane et les quartiles. Alors on avait vu la dernière fois la médiane, on avait vu comment la calculer. On va passer à quelques exemples aujourd'hui. Je vous invite à utiliser la feuille des exemples que je vous avais été fait télécharger la dernière fois. Vous l'avez de toute façon toujours sur École Directe. Alors, et on va pour chaque exemple calculer la médiane. Dans un premier temps. Alors, comment on fait? Soit on fait avec les effectifs, soit on fait avec les fréquences. Avec les effectifs, il suffit de prendre l'effectif total et de le diviser par 2. Donc ici, 752, si je le divise par 2, j'obtiens 376. Alors, 376, attention, comme 752 est pair, ça veut dire que vous allez avoir 376 valeurs et puis encore 376 valeurs. Donc il n'y aura pas de médiane qui se dégagera de manière naturelle. Donc il faudra prendre la 376e et la 377e. Alors 376, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien il faut regarder l'effectif cumulé croissant. Ici on est à 103. Ici, on est à 202 plus 103, ce qui nous fait, on est à 305. Donc, j'y suis pas, je dois être à 376. Et ici, 305 plus 237. Bon, alors, j'arrive à 542. Mais, j'ai même pas besoin de faire le calcul. Je vois bien que 305 plus 237, ça va me faire dépasser 376. Et donc, ma 376e et ma 377e valeur sont clairement dans cette case. Donc, la médiane. C'est 2. La médiane est égale à 2. La médiane n'est pas égale à 376 ni même à 377. Elle est égale à la valeur du critère, à la 367e et à la 377e valeur du critère, qui sont toutes les deux les mêmes. Elles sont toutes les deux égales à 2. Bien. On aurait pu aussi procéder avec les fréquences. Alors faisons les fréquences. Avec les fréquences, c'est encore plus simple. Il suffit de chercher 50%. Alors là, dans ce tableau, on a déjà les fréquences cumulées. Donc on cherche 50% dans les fréquences cumulées. Alors là, on est à 0,137, c'est-à-dire 13,7%. Donc on n'y est pas encore. Là, on est à 0,404, c'est-à-dire 40,4%. Donc là, 0,404, c'est clairement encore plus petit que 0,5. Donc on n'y est pas. Par contre, ici, 0,719, là, on voit qu'on passe, on franchit la barre de 0,5. Donc, la médiane est ici. Les 50% sont franchis à ce stade. Donc, la médiane est là. Bon, évidemment, on trouve le même résultat qu'on utilise les effectifs ou qu'on utilise les fréquences. C'est bien logique. Alors, continuons sur les autres exemples. L'exemple 2, c'était la couleur des feutres. Alors, ça, on se souvient que comme c'est un critère qualitatif, la seule chose qu'on puisse détecter, c'est le mode. Mais tout le reste, il n'y a pas de médiane, il n'y a pas de quartile, il n'y a pas de moyenne, il n'y a rien du tout. Exemple 3, on passe directement à exemple 3. Alors, le volume de précipitation en France au mois de juillet 2020. Donc pareil, on peut faire avec les effectifs. Alors avec les effectifs, on voit que l'effectif total est impair. L'effectif total est impair. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une médiane. Alors quelle sera-t-elle? Eh bien c'est simple, divisons 31 par 2. 31 divisé par 2, ça fait 15,5. Donc ça veut dire que vous allez avoir 15 valeurs ici, 15 valeurs là, et il y en aura une en plein milieu. 15 plus 15 plus 1, ça fait bien 31. Et donc ce qu'il nous faut, nous, c'est cette 16e valeur. Donc la médiane, ce sera la 16e valeur. Alors là, on a 3 valeurs. Là, quand on est ici, on en est à 11. Et quand on est ici, on en est à 18. Donc votre 16e valeur, elle est quelque part dans cette case. Du coup, la médiane, c'est pas 16, c'est ceci. Alors, dans ce cas, puisqu'on est un volume, là, ce sont des classes. Dans ce cas, on parle de classe médiane. On dit que la classe médiane vaut l'intervalle 14-16. Tout simplement, de la classe médiane. Voilà. Si on aurait pu bien sûr faire avec les fréquences, donc toujours pareil, on cherche là 50%. 0,10, on est en dessous de 50%. 0,36,
On est en dessous de 50%, enfin de 0,50, 0,59. On est bien supérieur ou égal à 0,50. Donc encore une fois, on est dans cette case, c'est-à-dire la médiane, la classe médiane, c'est 14,16. À présent, on passe au quartile. Alors, le quartile, c'est une sorte de médiane, mais basée sur le quart. C'est-à-dire que la médiane, vous laissez la moitié de l'effectif à gauche et l'autre moitié à droite. Hein, la médiane, c'était au milieu. Le quartile va vous couper l'effectif en 4, comme l'indique son nom. Du coup, il n'y aura pas un seul quartile. Eh bien, il y en aura 3. Il y en aura 3. Le premier, le deuxième, le troisième. Et on va tout de suite voir comment on les calcule. Mais je vais vous faire un petit dessin d'abord. Un quartile. Et donc si vous avez votre effectif qui est représenté par des points, donc la médiane, clac, en laisse 50% de chaque côté. Et bien toujours avec le même effectif, si vous cherchez les quartiles, vous avez le coupé en 4. Et chaque partie aura 25%. Ça, on l'appellera le premier quartile. Celui-là, le deuxième quartile. Celui-là, le troisième quartile. Le premier quartile laisse 25% de l'effectif à sa gauche et donc 75% de l'effectif à sa droite. Le deuxième laisse 50% de l'effectif à sa gauche et 50% de l'effectif à sa droite. Vous remarquez, j'espère, que le Q2 et la médiane, c'est la même chose. Et Q3, le troisième quartile, laisse 75% de l'effectif à sa gauche. Ben, il est plus grand que 75% de l'effectif et plus petit que les 25% restants. Voilà. Eh bien, comment on les calcule? Et puis on les calcule exactement comme la médiane. Ici, la médiane, la référence, c'était on cherchait 0,5. Ici, la référence, ben, ça dépend. Pour Q1, on cherchera 0,25. Dès qu'on a passé 0,25, ben c'est bon, on y est. Q2, bon, c'est la médiane, c'est toujours 0,5. Et Q3, ce sera 0,75. On va tout de suite le vérifier, le tester sur un exemple. On pourrait tout à fait faire avec les effectifs, il suffirait de diviser 752 par 4, etc. Mais on va le faire avec les fréquences, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de chercher 0,25 pour le premier quartile. Alors, allons-y avec la fréquence cumulée croissante. On cherche 0,25. Nous sommes au début à 0,137. 0,137, c'est plus petit que 0,25. Donc on n'y est pas. Par contre, dès la deuxième valeur du critère, on est à 0,404 en cumulé, bien sûr. Et donc 0,404, ben lui, c'est plus grand que 0,25. On l'a dépassé. On l'a dépassé ici. Donc c'est 1 qui est le premier quartile. Q1 égale 1. Attention, c'est pas 0,404 le quartile. C'est la valeur du critère. C'est 1. Bien. Maintenant, regardons Q3. Alors, Q3, je vais le faire dans une autre couleur. Je vais le faire en rose, par exemple. Q3, on cherche 0,75. Bon, on n'y est pas. On n'y est pas. 0,719. On y est presque, mais on est encore plus petit que 0,75. Par contre, ici, on arrive à 0,861, qui, lui, est clairement supérieur ou égal à 0,75. Donc, c'est à cet endroit qu'on dépasse les trois quarts. Donc, Q3, c'est lui. On note Q3 égale 3. Alors, bien sûr, c'est un hasard que Q3 soit justement égal à 3. Hein. C'est un hasard complet, une coïncidence. Bon, voilà, on a calculé les quartiles. Continuons. Exemple 2. Exemple 2. On ne pouvait pas calculer les médianes, on ne peut toujours pas calculer les quartiles. Hein? Rien n'est calculable avec un critère qualitatif. Exemple 3. Alors je reviens à mon Q1. Donc on cherche le premier quartile. Le premier quartile est obtenu pour 0,25. Alors là nous sommes à 0,10. 0,10, c'est plus petit que 0,25. J'y suis pas. Par contre, 0,36, j'y suis. C'est plus grand que 0,25. Donc le premier quartile est atteint dans cette colonne. Le premier quartile, c'est donc
La classe 12-14. Alors, on parle pas de classe quartile là. Hein? Bon. Premier quartile. Deuxièmement. Q3. Alors, Q3, il faut chercher 0,75. Regardez, on est clairement ici. 0,59, je suis plus petit que 0,75. 0,82, je suis supérieur ou égal à 0,75. Donc, mon troisième quartile, le voici. Q3, c'est 16,18. Qu'est-ce que ça veut dire? Q3 égale 16,18. Ça veut dire que les problèmes de précipitation en France au mois de juillet 2020, dans tout ce qu'on a dans les 31 jours, eh bien, il y a eu 75% des jours où il a plu moins que entre 16 et 18 mm. Ou si vous préférez, 25% du temps, il a plu plus que 16-18. C'est ça que ça veut dire. Ben voilà, c'est fait. On a appris à calculer les quartiles. Alors, à quoi ça sert tout ça? Donc là, vous avez une méthode de calcul des quartiles avec les effectifs. Hein, on divise par 4 ou on divise par 3, on multiplie par 3 quarts. Bon, c'est pareil. Pas de souci. Alors, un des premiers intérêts des quartiles, c'est de calculer l'écart interquartile. Alors, vous voyez que cet écart interquartile vaut la différence entre les deux quartiles. Il y a aussi également l'intervalle interquartile. Alors, on va tout de suite voir ici. Ici, l'écart interquartile, combien vaut-il? Je vais faire un peu de ménage. L'écart interquartile. Donc, on vous dit qu'il vaut Q3 moins Q1. Eh bien, allons-y. Q3, ça vaut combien? Ça vaut 3. 3 moins Q1. Q1, on a dit que ça valait 1. Donc, l'écart interquartile, il vaut 2. C'est-à-dire que la longueur entre ces deux, là, c'est 2. Ça veut dire que vous avez 50% de la population. Et oui, parce qu'entre Q1 et Q3, il y a 50% de la population, 50% des foyers étudiés ont une amplitude de deux postes là. C'est-à-dire que voilà, entre le premier et le troisième quartile, ben, il n'y a que deux postes d'écart. Et là, vous avez 50% de la population qui est réunie là-dedans. Alors, c'est un moyen de caractériser la l'hétérogénéité ou l'homogénéité, comme vous voulez, de l'effectif, de l'échantillon. Si l'échantillon est très ramassé autour de la moyenne, eh ben Q1 et Q3, ils seront très proches de la médiane, pardon, ils seront très proches. C'est-à-dire que vous aurez 50% dans un écart interquartile très restreint. Si au contraire l'écart interquartile est très grand, alors, très grand, bien sûr, par rapport à quoi? Ici, par exemple, notre amplitude, hein, l'étendue totale, c'est 7. Donc, si l'écart interquartile est égal à l'amplitude, bon, c'est pas possible, mais enfin, si c'est possible, mais c'est rare, ça veut dire que l'échantillon est très dispersé. Au contraire, si l'écart interquartile est très petit par rapport à l'étendue, donc ici, l'étendue, elle est 7, elle vaut 7, l'écart interquartile vaut 2, 2, c'est petit par rapport à 7, d'accord? C'est plus du tiers. C'est plus du tiers. Donc là, ça veut dire que l'effectif est vraiment très resserré autour de la médiane. Calculons l'écart interquartile ici. Alors là, ça va avoir un peu moins de sens puisqu'il va falloir faire. On va pas pouvoir faire Q3 moins Q1 ici, vous voyez. Ou alors il faudrait refaire ce qu'on avait fait pour l'étendue. Vous vous souvenez qu'on avait calculé l'étendue, on avait dit on faisait moins 20 moins 10. On pourrait faire 18 moins 12. Bon. Ok. Autre chose qu'on peut voir après l'écart interquartile, c'est l'intervalle interquartile. C'est un petit peu la même chose. Intervalle, intervalle. Intervalle interquartile. Et bien, comme vous dit le cours, c'est tout simplement l'intervalle Q1, Q3. Donc ici, c'est l'intervalle 1, 3.
Donc c'est pareil, dans cet intervalle, il y a 50% des gens. Voilà, c'est encore plus direct, hein. Et donc l'écart interquartile, c'est tout simplement l'amplitude de cet intervalle. Ok. Alors, un moyen qu'on a de bien présenter les choses, eh ben, c'est de faire des choses comme ça. Vous voyez, ça, enfin, je sais pas, je vois pas vos réactions aux vidéos, mais généralement ça, les élèves comprennent bien. Eh ben, c'est pas pour rien que je l'ai fait. C'est tout simplement une manière classique de représenter les choses. Et cette manière classique s'appelle la boîte à moustache. Cette boîte à moustache, on va tout de suite la faire. Et vous en aurez une à faire au prochain devoir. Donc il faut savoir faire ça. C'est un moyen très efficace de rassembler les données. Donc vous voyez, pour la faire, cette boîte à moustache, il faut avoir 5 données, le minimum, les 3 quartiles et le maximum. Voilà. Bon, bref, les quartiles, parce que le minimum et le maximum, ça se lit directement. Alors allons-y. Faisons-la. Alors, on va la faire sur le côté, comme ça. Oh, coco, non, on peut la faire ici, là. On a la place ici. Alors, important, dès qu'on va faire une boîte à moustache, il faut avoir une échelle. Et il faut se donner une échelle et s'y tenir. Comme quand on fait n'importe quel graphique d'ailleurs. Donc ici, on va de 0 à 7. On ne met que les valeurs du critère sur une boîte à moustache. Donc si j'ai 0, si j'ai 7, donc voilà, c'est pas très compliqué, je vais graduer de 1 à 7. 4, 5, 6, 7, vous n'avez pas besoin d'avoir une précision absolue, faut pas exagérer, hein. Mais par contre, voilà, il faut que ce soit bien gradué. Alors, en 0, donc au minimum, donc ici on est d'accord que x min, hop, x min, c'est 0, c'est aussi x1 d'ailleurs. Bon, ben on met une double barre. Une double barre en 0. Rien à voir avec la double barre valeur interdite, hein. Je juge comme ça. Alors, ce sont les fameuses moustaches de la boîte à moustaches. Ici, on a x max. Parce que ce diagramme, soit on appelle ça un diagramme en boîte, soit on appelle une boîte à moustaches. Ensuite, le premier quartile étant 1, donc on trace un trait en 1. Q1, x min. Ensuite, la médiane étant 2, Q2. Et le troisième quartile est en 3, Q3. Une fois qu'on a tracé ça, voilà la fameuse boîte. Voilà la boîte et voilà ses moustaches. Hein, et puis, normalement, il faut faire ça, voilà. Et puis après, éventuellement, on pourrait effacer l'axe. Voilà la boîte à moustaches. La boîte avec ses moustaches. J'ai oublié d'écrire Q3. Voilà. X max. C'est juste ça, la boîte à moustaches. Alors, remarquez. Ça ressemble pas trop. Et c'est normal, parce que la boîte à moustache est quand même assez caractéristique de l'échantillon, puisqu'elle est, elle est quand même forgée à partir des trois quartiles. Sur cette boîte à moustache, vous pouvez lire très facilement la répartition de votre échantillon. Vous voyez, ici, je vois tout de suite que, puisque ici j'ai Q3, ça veut dire que là j'ai 75% de l'échantillon. N'oubliez pas, à gauche de Q3, enfin Q3, il surpasse 75% de l'échantillon. Donc là, je vois tout de suite que j'ai 75% de l'échantillon extrêmement resserré. Vous voyez? Ou au contraire, j'ai 25% de l'échantillon très dispersé. Vous voyez? Ça, c'est si je considère Q3. Mais je peux aussi considérer l'écart interquartile et regarder les 50%, enfin, l'intervalle plutôt interquartile. Notez que là, j'ai 50% ici, c'est beaucoup également. Vous notez que j'ai 50% là, ou 50% là, ou 25% là. Bref, à vous de voir, vous les avez tous, ces chiffres, ils ne bougent pas. Ce qui bouge, c'est l'amplitude. Ce sont les écarts entre ces barres. C'est ça qui vous permet de voir si l'effectif, si l'échantillon, pardon, est très resserré. Là, on voit tout de suite, ça saute aux yeux avec cette boîte à moustache, que l'échantillon est extrêmement resserré autour de la médiane. Voilà, et quand même x min ne fait pas cette valeur extrême n'est pas du tout une valeur isolée. Vous voyez, ce 7 là, c'est une valeur extrême, mais c'est une valeur clairement isolée. Vous êtes tout au bout de l'échantillon. Il n'y a que quelques personnes qui ont 7 postes de télé. Alors que là, ce 0, c'est manifeste, vu qu'il est très très proche de Q1, c'est manifeste qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 0 postes de télé. Bon,
Alors, on peut pas, enfin, on peut faire une boîte à moustache ici, mais dans ce cas, vous voyez, il faudrait donner des valeurs précises au quartile. Alors, on pourrait le faire, mais dans ce cas, il faudrait passer par ce qu'on appelle les centres. C'est-à-dire, au lieu de considérer les classes, il faudrait les discrétiser, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué. On dit que, bah, par exemple, l'intervalle 10, 11, 12, on le remplace par son centre, à savoir 11. Tiens. Hop, voilà. J'ai changé de couleur. On le remplace par 11. Lui, on le remplace par 13. Tout simplement, on fait la somme des extrémités divisée par 2. Voilà. Et une fois qu'on a tout discrétisé, eh bien, on peut faire la même chose. Faisons-le. On avait Q1, du coup, Q1, ça va aller non plus, si je le mets sous forme de centre, Q1, ça vaut 13. Et Q3, ça vaut 17. Et la médiane, ça vaut 15. Donc dans ce cas, si je souhaite faire la boîte à moustache de celui-là, donc d'abord je dois discrétiser, hein, ce que je viens de faire, et ensuite, alors je trace, donc je vais de 11 à 19. Alors exceptionnellement, je peux considérer que x min c'est 10 et que x max c'est 20, hein, donc 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Alors on va reprendre du tout, allez. 10, c'est le minimum, donc c'est x min. Ensuite, la première, Q1, il est à 13. 11, 12, 13. Voilà Q1. Ensuite, la médiane est à 15. On était à 13, 14, 15. Q2. 16, 17, Q3. 18, 19, 20, c'est bon. Hop. Hop, et 20 là. Et après, je trace le trait. Voilà. Bon, alors là, qu'est-ce qui saute aux yeux? Ben, ce qui saute aux yeux, ben, c'est qu'elle est super bien répartie. Hein, les précipitations en France en 2020, vous voyez, elles sont. La Q2 est exactement pile au milieu, Q1 est pile au quart, Q3 est pile au trois quarts. C'est extrêmement réparti. Donc, c'est quasiment écu réparti, cette histoire. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, bon, excepté là où il y a 3, 8, 7, 7, 6, bon, c'est très similaire. Hein. Bon, voilà. Donc là, ça, c'est pas une boîte très intéressante, parce qu'elle fait rien ressortir. Ben, en fait, elle fait ressortir que cet échantillon est écu réparti, tout simplement. Bon, voilà pour ces exemples-là. On va faire l'exercice. L'exercice. Il y avait l'exercice 3 à faire. Alors, si je ferme, j'en ouvre un autre. On va se faire cet exercice. Calculer la médiane et l'écart-tile de la série suivante. Bon. Alors, exercice 3, allons-y. Bon, plutôt connu, on fera aussi l'intervalle. Pas l'intervalle, pardon, la boîte à moustache. Exercice 3. Alors, ça va vite être pénible, ça, parce que. Oui, il y en a combien des valeurs là? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fois 2, 30. Donc on a 30 valeurs. L'effectif total, il vaut 30. Bon, bah, il n'y a pas le choix, on est obligé de les classer. Alors, il faut dire. Alors, on ne nous dit pas ce que c'est, hein. On ne nous dit pas ce qu'il vaut, ce que c'est ce critère, est-ce que c'est des gens, des millimètres, Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on va avoir le critère et l'effectif. Donc, les critères, il y en a de deux. Alors, tiens, ce que je vais faire. Hop, je le prends. Comme ça, vous allez voir. On va barrer, comme ça, à chaque fois, ce sera plus facile de le noter. Ça, j'ai mes valeurs. Je vais pouvoir les barrer à chaque fois. Voilà, ce sera plus facile de dire je l'ai utilisé ou je l'ai pas utilisé.
Bien. Critère effectif. C'est parti. Voilà. Alors, critère. Donc, on a deux. Et deux, je l'ai combien de fois? Alors, je l'ai. Ah, toi, tu vas m'agacer, je sens. Alors, deux, je l'ai une fois. C'est tout. Deux fois. Trois. Trois, est-ce que je l'ai? J'ai mis trois. Oui, je l'ai une fois. Deux fois. Deux fois. Quatre, est-ce que je l'ai? Non, j'ai pas de quatre. Cinq. Cinq, je l'ai une fois. Une seule fois. Six, une fois. Une seule fois. Sept. Je l'ai. Une fois. Huit, je ne l'ai pas. Neuf, je ne l'ai pas. Dix, 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 il y a un paquet de fois, il me semble. Un, deux, trois, trois fois. Alors, je vais vite, parce que si jamais à la fin j'en ai oublié un, ben, je le verrai tout de suite. Hein. Onze, je ne l'ai pas. Douze, douze aussi, je l'ai vu plusieurs fois. Un, deux, deux. Tiens, je croyais l'avoir eu plus de fois. Bon, ben, deux fois. Treize, une fois. Au moins. Ah. Ah, regardez. 12, je le revois une autre fois là. Donc il est 3 fois 12. Donc 13 qu'une fois apparemment. 14 une fois. 15 une fois. 16, j'ai pas vu. On passe à 17 une fois. Après, on passe à 19. Deux fois. Après 19, on a 23, 21. 21 deux fois. Ensuite, on passe à 23. 23 qui est une fois. Ah non, il y a 22 d'abord. 22 une fois. Et 23 une fois. Deux fois. Ensuite, 36, 30, 25, 24. Ben 24, une fois. 25, deux fois, si je ne m'abuse. Voilà. 25, il n'y a pas de 26. Il nous reste 36, 30, 27. Donc, 27, une fois. 30, une fois. 36, une fois. J'ai couché tout le monde. Ok, dernière, ultime vérification. Ultime vérification, il faut que la somme se fasse 30. 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, c'est bon. J'ai bien 30 en effectif total. Bien. Bon, alors là, pour le coup, on va pas s'ennuyer à faire avec la fréquence, on va faire avec l'effectif cumulé croissant pour calculer quartile et tout ça. Ça, au moins, on fait une fois. Alors, on va commencer, on va calculer cet effectif. Oh, on n'est même pas obligé de l'écrire. Hein. Ouais, bon. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 1, c'est pas le temps que ça prend. Hein. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30. J'ai bien 30 à la fin, tout va bien. Bon, allez, c'est parti. Alors, je reprends les couleurs. Le quartile. On va commencer par la médiane. Mince, la médiane, c'était quelle couleur? Je ne sais plus. Bon, disons que c'était cette couleur. Alors, 30, 30, souvenez-vous, et paire. Donc il faut regarder 30 divisé par 2, ça fait 15, du coup c'est la 15e et la 16e valeur. Eh ben, manque de bol, la 15e elle est là et la 16e elle est là. Donc la médiane, c'est la demi-somme entre 14 et 15, c'est-à-dire c'est 14,5. Du coup la médiane, c'est 14,5. Voilà, là on est tombé sur une série discrète, avec beaucoup de valeur, du coup, ben voilà, on a une médiane un peu moche. Et c'est pas bien grave. Alors,
pour le quartile, il faut diviser par 4. 30 divisé par 4, ça fait quoi? Ça fait 7,5, hein, ça fait 15 divisé par 2. Bon, bah du coup, on regarde la septième. Alors, vous pouvez me dire, il faudrait regarder la septième et la huitième, hein, ou, mais non, en fait. Hein, c'est toujours. C'est comme ça. Pour la médiane, on s'ennuie. Pour le quartile, on s'ennuie pas. On prend la partie entière. Donc, si la division tombe juste, c'est ça. Si elle tombe pas juste, bah, c'est juste 7. Donc, 7, on est là. On est ici. Du coup, le quartile, c'est 7. Alors, rien à voir, hein. C'est le même nombre, hein, mais c'est lui, c'est ce 7-là, pas ce 7-là. Et en rose, donc après on a 3 quarts de 30, et bien c'est-à-dire c'est 15 plus 7,5, c'est donc 22,5, donc 22. Donc je regarde la 22e. La 22e, elle est là. Et donc, ah ben c'est encore 22. Q3 égale 22. Toujours pareil, hein, rien à voir. Bon, bah j'ai mes trois valeurs. Qu'est-ce qu'on me demandait dans l'énoncé? Calculer la médiane et les quartiles. C'est bon, c'est fait. Bon, puis je rajoute. Moi, j'ai envie de rajouter que je fais ma boîte à moustache. La boîte à moustache, elle va de 2 à 36. Donc ici, j'ai 2. Alors là, je vais pas m'ennuyer à tout coder de 2 à 36. 2 et 36, il y a 34, donc entre les deux on a 17. Ici on a 17. La moitié de 17. Pardon, entre 2 et 17, ça fait 15, donc on est à 7 et demi. Donc on est par là. Hein, donc le 7 il est là. Et le 24 il est là. Bon, donc notre 22 est par ici. Donc nous avons Q1. Alors, une autre façon, c'est qu'on peut le mettre au-dessus. Vous voyez, pour éviter de faire des ratures, hein, on a l'axe qui nous indique l'échelle, et puis on peut faire la boîte à moustache au-dessus. Donc là, je vais jusqu'à 2. Je m'arrête à 7, premier quartile. 14,5, j'ai pas mis 14,5, je vais par là. Médiane, je vais jusqu'à 22 pour le premier quartile et je continue jusqu'à 36 pour x max. Voilà une boîte à moustache. Et encore une fois, elle est super bien répartie. Hein, donc, de toute façon, vous voyez bien, oui, c'était quand même incroyable. La septième valeur, c'était justement 7. Bon, c'est extrêmement bien réparti. Donc, pas très intéressante non plus. En tout cas, voici l'exercice 3. Et on va faire l'exercice 4. Sur la même coupe, sur la même feuille. Alors, exercice 4. On a interrogé des élèves sur le nombre de postes de télévision. Ah, ouais. Ça, je ne l'ai pas changé, tiens. Bon, on va changer l'énoncé parce que le poste de télévision, on l'a déjà fait. Donc, on va changer le principe. Un poste de télévision, c'est l'exemple que je vous ai donné, introductif. Donc, on va quand même changer. Zut. On va prendre quelque chose qui est similaire en termes d'amplitude. Voilà. Donc on va pas prendre les postes de télévision, on va prendre le nombre de frères et sœurs. On a interrogé les élèves d'un lycée sur le nombre de frères et sœurs dans leur foyer. Sur le nombre de frères et sœurs. Qui équipe leur foyer, ouais, c'est ça. Neuf frères et sœurs dans leur foyer. Les résultats du sondage sont au sein du tableau suivant. Recopier ce tableau en rajoutant fréquence cumulée croissante. Le 5 qui possède au moins 3 frères et sœurs. Établissez la boîte à moustache. Complétez 75 lycées possède au moins frères et sœurs. Voilà. Alors, premièrement, recopier le tableau. En rajoutant et en complétant avec les FCC. Bon ben, allons-y, FCC. Oui, j'ai décalé un petit peu. Calculons les FCC.
Donc ici, 0,041, ça change pas. Ensuite, il faut ajouter les deux. Ça nous fait, alors 483 et 41, ça fait 524. 524 et 323, ça fait 847. Et puis, je peux m'arrêter là. Hein? Pourquoi je peux m'arrêter là? Ben parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer les quartiles. Alors, bon, non, faudrait continuer hein, pour un exercice. Si on vous dit de le faire, il faut le faire en entier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la boîte à moustache, donc les quartiles. Donc, à partir du moment où j'ai dépassé 0,75, ben c'est bon. Ça me suffit. Alors, de calculer le pourcentage de lycéens qui possèdent au moins 3 frères et sœurs. Alors, les gens qui possèdent au moins 3 frères et sœurs, ça veut dire qu'ils en ont 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Donc, en fait, il me faudrait savoir la fréquence des lycéens qui ont au moins 3 frères et sœurs. Ce serait 0,087 plus 0,040 plus 0,010 plus 0,05 plus 0,003. Ok? Donc la fréquence, ça vaut 0,097 plus 0,040 plus 0,010 plus 0,05 plus 0,01. Mais une autre manière de le voir, qui est plus intelligente, étant donné ce que je viens de calculer, c'est de dire que c'est 1 moins la fréquence cumulée croissante de 2. Hein, c'est-à-dire que avoir le contraire d'avoir au moins 3 frères et sœurs, c'est d'avoir au plus 2 frères et sœurs. Donc il suffit de faire 1 moins 0,847. Et on trouve directement le résultat qui s'avère être 0,153. Donc il y a 15,3% de chances qu'un lycéen interrogé possède au moins 3 frères et sœurs. 3. Établissez la boîte à moustache. Alors pour établir la boîte à moustache, il faut calculer Q1, Q2 et Q3. X min, X max étant évident, hein, 0 et 7. Alors Q1, eh ben maintenant qu'on a la FCC, on est tranquille. Allons-y. Q1, il faut que je sois à 0,25. Donc là, je ne suis pas. Je suis clairement en dessous. Par contre, là, je suis clairement en dessus. 0,25, pardon. Donc Q1, c'est 1. Q2, là je dois être à 50%. Bah, là je suis en dessous. Et là je suis en dessus, pareil. Donc Q2, c'est 1 aussi. Alors pas de panique, ça arrive. Ça veut juste dire que qu'il y a un énorme bond en fait entre deux valeurs. On passe pas par 25%, on va directement à 50%. On pourrait même aller directement à 75%, ça pourrait arriver. Dans ce cas, on aurait Q1, Q2 et Q3 qui seraient confondus. Q3, du coup, ici, là, je suis plus petit que 0,75, mais là, je suis plus grand que 0,75. Donc Q3, c'est 2. Conclusion, la boîte à moustache. Je vais de 0 à 7. 3, 4, 5, 6. 7. Le minimum, c'est 0. Le maximum, c'est 7. Q1, c'est 1. Q2, c'est 1. Q3, c'est 2. Pardon, il n'y a pas ça, justement, dans la boîte. Hein, le trait horizontal n'est pas dans la boîte, justement, pour la différencier du reste. Et voilà la boîte à moustache. Bon, voilà, ça saute aux yeux que tout est hyper rassemblé là. C'est encore plus comprimé autour de la médiane 1 que l'exemple qu'on avait fait juste avant. Ben voilà, quatrièmement, compléter la phrase 75% des lycéens possèdent au moins. Alors, 75% possèdent au moins. Si c'est 75%, c'est qu'on fait intervenir Q1 ou Q3, hein, puisque Q2 elle fait 50%. Alors Q1, ce serait quoi? Q1, bah tiens, on va utiliser le tableau là. Pas le tableau, pardon, la boîte à moustache. Alors ici on a Q1, donc nos 75% il est là. Donc là, ça se dirait comment? 75% des lycéens ont au moins un frère et sœur. Donc c'est ça, hein, 75%. Donc Q1 égale 1, ça signifie que 75% des lycéens ont un frère ou plus, au moins un frère, au moins
un frère, sœur. Et Q3 qui vaut 2, ça sera traduit comment? Donc Q3 il est là, du coup les 75% ils seraient là. Ils sont là, c'est pas ils seraient, ils sont là. On dirait 75% des lycéens ont au plus de frères. Plus de frères et sœurs. Comment on pourrait traduire l'intervalle interquartile? Hein, qu'ici, il y a 50% entre les deux, là. On pourrait dire 50% des lycéens. Hein, comment on pourrait traduire le fait que Q1, Q3, c'est 1, 2. 50% des lycéens ont un ou deux frères. Oui, dans tous les cas, ce sont des statistiques pertinentes. 50% des gens interrogés ont un frère, un frère-sœur, bien sûr, un ou deux frères et sœurs. Voilà, 50% des gens. Mais aussi, puisque la médiane est là, attention, le fait que la médiane Q2 vale 1, ça signifie aussi que 50% des gens, des lycéens, ont 0 ou 1 frère, sœur. Et oui, attention, ce n'est pas antinomique. Hein? Les deux statistiques sont valides en même temps. 50% des lycéens ont un frère ou deux frères. 50% des lycéens ont 0 ou un frère. Ah, ben bien sûr, ce n'est pas les mêmes. Enfin, sauf pour ceux qui ont un. Voilà, fin de cet exercice. Et du coup, fin de cette partie sur les quartiles et les médianes et la boîte à moustache. Donc, il vous faut savoir faire ça. Vous aurez un exercice sur ça au prochain contrôle. Mais de toute façon, il faut le savoir parce que c'est quelque chose d'extrêmement classique qui est important dans la vie de tous les jours, hein, même au-delà des mathématiques. Voilà.